Bonjour à tous. Je suis la médiatrice interstellaire Sol 13, Terra 3. Je vous présente mon dernier livre intitulé Premier contact, publié le 7 octobre 2021. Son fil conducteur est la communication extraterrestre sous toutes ses formes, personnelles et diplomatiques. Nous allons voir aujourd'hui les articles 1 et 2. Franco-américaine, professeure universitaire, je suis diplômée en sciences du langage et de la communication, et en art graphique, je suis humaniste et écrivaine. Je suis née il y a 73 ans, le 14 juillet 1948, et je me suis engagée très jeune, dès l'âge de 16 ans, dans une quête spirituelle pour répondre à la question « Qui suis-je ?» Je suis devenue ermite et moine de forêt et j'ai voyagé dans de nombreux pays, en Europe, aux USA et en Inde, mais également en Afrique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, ou en Asie de l'Est, dans une inlassable recherche des réponses à ma question et pour découvrir les secrets de l'univers et de l'illumination. Je fus inspirée et j'ai travaillé avec de célèbres philosophes bouddhistes et hindous, et je partage le fruit de mes recherches et de mon travail depuis plus de 50 ans. Pendant 5 ans, entre avril 2016 et avril 2021, j'ai été en contact ouvert et frontal avec un éventail de différentes espèces interstellaires, 29 extraterrestres, 11 hommes et 18 femmes de 8 lignées différentes, en direct, en audio et à l'écrit, les Andromédiens, les Pléiadiens Téguétans, les Humains et les Draconiens, et en immersion holographique et télépathique, les Agartiens Télosiens, les Alpha Draconiens, les Arcturiens Diazeli Antiplex et les Urmas, avec lesquels j'ai eu des centaines de conversations personnelles depuis leurs vaisseaux spatiaux ou depuis Viera Andromeda, une gigantesque biosphère artificielle andromédienne, un aéroport cosmonautique stationné derrière la Lune. Mon rôle en tant que médiatrice est de faciliter un processus neutre et bienveillant par lequel les parties engagées se comprennent et tentent de dialoguer. Ce processus varie selon les contextes d'application. Il comporte des éléments de pédagogie et de qualité relationnelle et donne lieu à la créativité et un nouveau sens de soi-même basé sur les principes d'équilibre, d'autonomie, de responsabilité, d'écoute, de respect mutuel et d'attention à l'autre.
dans le monde duel terrestre, la dichotomie consiste à le diviser en parties dépendantes et disjointes. Deux choix au moins sont proposés à votre libre arbitre, qui n'a d'ailleurs pas lieu d'être puisque tout est un. Gauche et droite, bien et mal, matériel et spirituel, chaque côté est partie intégrante du même script. Le libre arbitre que vous pensez avoir n'est que celui de faire un choix entre deux solutions qui sont toutes les deux enfermantes. En choisissant l'une ou l'autre, vous sombrez immanquablement et continuellement dans ce dont vous essayez de vous libérer. Mais il est une autre perspective, tétravalente, peu empruntée pour l'instant, que l'humanité doit développer, celle où nous évoluons, ni pour, ni contre, dans une dynamique universelle, immarcessible. Laissez de côté vos attentes, vos espoirs et vos craintes. N'essayez pas de vous convaincre de la manière dont les premiers contacts extraterrestres vont se dérouler, où et comment, ni avec quelle race. Car selon l'article 8 de la directive première, dont vous pouvez prendre connaissance, page 100, les délégations qui seront désignées doivent avoir l'apparence physique et la ressemblance la plus proche avec la race contactée. Et dans la mesure du possible, le protocole vestimentaire de la race contactée doit être respecté et utilisé. Ce seront donc des races interstellaires qui ressemblent aux terriens, comme les humains, du mot, une partie des Pléiades, M45, des Syriens ou des Alphratiens, d'Alpha du Centaure. Entre-temps, préparez votre présentation écrite et orale. Réfléchissez aux aspects les plus importants et significatifs de votre vie. Travaillez-les en profondeur pour les présenter de manière simple, claire, honnête et spirituelle. Développez la méditation, votre intuition et la télépathie. Acquérez les connaissances qui vous manquent en vous formant grâce à ce livre. Nourrissez le calme, la sérénité, une attitude neutre, sans être indifférente, une attention vive et curieuse d'apprendre et de découvrir, et orientez vos pensées vers l'élévation
de la condition humaine, pour que les rencontres avec nos voisins de l'espace soient fructueuses, enrichissantes et surtout équilibrées. Nous vivons les derniers moments d'un monde qui s'étiole et nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère de l'humanité terrestre. Devenez conscient que nous sommes à l'aube d'un incroyable événement qui marquera à jamais l'histoire de notre époque, celle de l'interstellarité. Tout est ici, maintenant, accessible, tangible, malléable. Ne faites plus de choix. Soyez. Dans un premier temps, regardons la structure du livre et la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser pour organiser votre lecture. Vous pouvez commencer à lire les différents articles directement, bien sûr. Mais vous pouvez aussi consulter la table des matières qui est détaillé sur 7 pages au début du livre, ou choisir l'une des 85 questions listées en fin d'ouvrage, ce qui vous permet de répondre à vos questions les plus urgentes. Voici un résumé des 7 pages de la table des matières entre l'introduction et la conclusion, page 341, il y a 5 chapitres. Chapitre 1, les contacts et la communication extraterrestre. Chapitre 2, l'exopolitique et l'exodiplomatie. Chapitre 3, les catégorisations extraterrestres des terriens. Chapitre 4. La réincarnation fait le plein d'âme. Et le chapitre 5. Le polyptyque de la réincarnation. Un diptyque est une peinture ayant 2 panneaux ou 2 volets. Un triptyque en a 3. Et un polyptyque est une peinture ayant de multiples panneaux, donc de multiples perspectives et des angles de perception variés. Donc le polyptyque de la réincarnation la présente sous de multiples aspects. À la fin de l'ouvrage, page 346, il y a quelques pages de présentation de l'auteur. Page 351, la liste des 85 questions posées par les internautes. Page 357, la table des illustrations qui apparaissent dans le livre. Et page 360, la médiagraphie, c'est-à-dire toutes les sources et références, qu'elles soient sous forme de livres, de PDF, de films, de vidéos, de sites internet ou d'articles scientifiques. Les 5 chapitres regroupent les 85 questions en 58
article. Donc vous pouvez soit vous orienter grâce à la table des matières en début d'ouvrage, ou aller directement à la liste des questions, page 351. Voici donc les 85 questions, organisées par chapitre et par article, avec le numéro de la page à gauche. Par exemple, la réponse à la question 1, les dieux et les monstres mythiques étaient-ils des extraterrestres ? Se trouve au chapitre 1, article 1, page 13. Ou encore, aux questions 27, les extraterrestres ont-ils pris contact avec les gouvernements mondiaux ? Et 28, pourquoi y a-t-il autant de secrets concernant leur existence ? Les réponses se trouvent au chapitre 2, article 18, page 104. Ou encore, à la question 29, quels sont les traités qui ont été signés avec les gouvernements terrestres ? Vous trouverez une liste non exhaustive des traités dans l'article 19, page 106. Je ne vais pas lire les 85 questions maintenant, mais je vous les reproduis ici pour que vous puissiez y revenir et les lire tranquillement. Dans la liste des 85 questions, nous allons maintenant choisir la question 1. Les dieux et les monstres mythiques étaient-ils des extraterrestres ? Dont la réponse se trouve au chapitre 1, article 1, page 13. Ils vivent sur Terre ou visitent la planète depuis les temps immémoriaux. Ils ont laissé les vestiges de leur culture, de leurs croyances et de leurs anciennes technologies. Considérés par les populations autochtones, proto-humaines, comme des dieux de mondes surnaturels ou les démons d'enfer terrifiants, ils sont encore présentés comme tels de nos jours, sous les voiles des mythes, du mystère et des secrets d'État. Mais dans leur réalité quotidienne, qui sont-ils réellement ? Ils ne construisent pas de barrières mentales les séparant des terriens, ou le bien du mal, mais ils peuvent ressentir de l'aversion. Les enfants andromédiens s'enfuient à la vue d'un terrien. Les humains peuvent ressentir de la déception lorsque des membres de leur société sont désignés pour une mission sur Terre. Comme le spécifiait l'un d'eux, j'ai moi-même ressenti un certain désappointement en apprenant mon rattachement à l'INA Yuyisaa, qui est un micro-groupe social soumis à un supérieur, un groupe de travail si vous voulez, destiné à Oyagaa, votre planète. Mayi, épouse, m'a confié son désir d'intervenir en ma faveur auprès du conseil scientifique d'Umo pour changer cette affectation. Et il m'a fallu la persuader de ne pas considérer cela comme une honte ou une humiliation, mais comme un sacrifice nécessaire. Ceci dit, il est indéniable que de nombreuses lignées extraterrestres sont d'une gentillesse à faire pâlir les plus aimants des grands maîtres spirituels. Qu'ils expriment empathie,
et amour à profusion. Il est vrai qu'ils font montre d'une haute éthique et d'une profonde spiritualité. Il est exact qu'ils incarnent sagesse et savoir, qu'ils partagent sans retenue. Mais ils peuvent aussi être cruellement indifférents, narcissiques. Devenir, si vous n'y prêtez garde, des manipulateurs experts, des provocateurs de conflits, assoiffés de pouvoir et voleurs. Exprimé de la sorte, cela peut paraître choquant aux lecteurs qui ne les perçoivent que sous l'angle des êtres de lumière. C'est la raison pour laquelle il est important de souligner qu'oblitérer certains aspects de la vie spatiale, c'est en refuser la réalité tangible, c'est dénigrer à l'ensemble des peuples terrestres, tout autant qu'aux peuples non terrestres, le droit d'être. En tant que personne ou en tant que race, c'est soustraire à la vie le privilège de l'expérience et de ses multiples aspects, ceux généralement qualifiés par la majorité de bon ou de mauvais, et la multitude de nuances entre les deux, ou celle non duelle et non clivée d'une réalité vibrante, immarcessible. Persister à ne considérer la vie spatiale que comme un monde idéal ou un enfer terrifiant, et nos voisins de l'espace comme des êtres supérieurs ou des créatures immondes, c'est refouler la maturité dont nous avons besoin pour développer des relations équilibrées avec nos voisins de l'espace. Au cœur des centaines de conversations que j'ai eues avec eux pendant 5 ans, ils n'ont eu de cesse de formuler le souhait d'être reconnus en tant que personnes qui vivent sur d'autres planètes, de simples individus qui mangent, vont aux toilettes, se reproduisent, se battent et s'entretuent. Ils ne souhaitent plus être des dieux ou des démons aux yeux des terriens, et moins encore servir de déambulateur à une humanité claudiquante. L'humanité terrestre doit devenir autonome. À la question 2, tous les extraterrestres sont-ils des êtres de lumière? Qu'en est-il des reptiliens? La réponse se trouve au chapitre 1, article 2, page 16. À l'aube des premiers contacts stellaires, extraterrestres, officiels, nous devons prendre en compte les multiples aspects des différentes races que nous allons croiser et avec lesquelles nous allons développer des relations à très long terme, car une fois cette réalité révélée et les relations terrien, stellaire, entamé, il ne sera plus du tout possible de faire marche arrière. L'humanité entrera dans une nouvelle phase de son développement et nous y sommes déjà en partie.
Commençons d'abord par élargir la réalité cosmique et étoffer nos idées, sans toutefois vouloir établir une comparaison. De nombreuses races interstellaires ont des structures mentales, des attitudes ou des comportements similaires à ceux des terriens. Mais d'autres sont très différentes. Premièrement, certains sont non émotionnels, si logiques et rationnels qu'ils peuvent induire, sans en être conscients, un effet glaçant sur leurs interlocuteurs terrestres. Deuxièmement, des groupes font preuve d'une hyper-émotivité si importante qu'ils semblent cyclotimiques, psycholunatiques et ont des réactions ou des comportements déstabilisants. Troisièmement, d'autres sont extrêmement aimants, respectueux, sensibles et si timides qu'ils préfèrent ne pas communiquer avec notre espèce. Quatrièmement, certains ont peur, redoutent les terriens et éduquent leurs enfants en ce sens. Cinquièmement, d'autres encore aiment le pouvoir, la célébrité et la domination et n'auront de cesse de vous démontrer, de manière aimante bien sûr, combien vous êtes ignorant, primitif et vos sciences incompétentes. Sixièmement, d'autres qui font partie des grandes races illustres n'hésitent pas à insulter les terriens, à leur mentir et à les manipuler pour arriver à leur fin. Septièmement, et enfin, il y a aussi des kleptomanes chroniques. Contradictoires ? Pas pour eux, parce que d'une part, la notion de propriété leur est étrangère, et de ce fait, ils ne considèrent pas la kleptomanie un acte répréhensible. Et d'autre part, ils ont le sentiment fort que les races, surtout les plus jeunes et les terriens, leur sont redevables. Donc, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils se servent, que ce soit du matériel sur un vaisseau spatial appartenant à une autre race, un cornet de pistache en Italie ou une technologie terrienne, qu'ils n'ont plus parce que, même récente sur Terre, c'est une antiquité pour eux et il est plus simple de venir l'emprunter sur Terre. Il existe aussi des individus, par ailleurs totalement aimants, qui n'hésitent pas à pointer les puissants canons plasmiques vers un autre vaisseau de leur flotte, en mettant la vie de 2500 membres d'équipage complètement apeurés en péril, parce qu'un commandant qu'ils côtoient et aiment ne veut pas se soumettre à leurs ordres. Et puis, il y a les grandes races conquérantes et colonisatrices qui revendiquent la propriété de la planète Terre et qui se battent bec et ongles pour la garder ou contre d'autres races qui veulent la conquérir. Ce sont ces races qui modèlent la société terrienne. Ils sont au-delà du sommet pyramidal terrestre, contrôlant les informations liées à leur présence. Les élites humaines, les médias, les transnationales, les institutions politiques, religieuses et les systèmes financiers
Il stimule les guerres, la pénurie, la peur et l'insécurité et encourage la corruption, l'inégalité de genre, la haine ethnique et religieuse, le terrorisme, le trafic de drogue et d'êtres humains et le crime organisé. Mais là aussi, il ne faut pas faire de généralité. Au sein de ces groupes finement structurés en castes ou classes sociales, et dont la société terrienne, dans son ensemble, est le reflet, il est des individus, et j'en ai côtoyé, infiniment patients, inspirants et profondément spirituels. Plus la relation perdure, plus la communication s'étend sur un grand nombre d'années, moins les personnes que vous pensiez uniquement aimantes, ou au contraire uniquement terrifiantes, le sont. Il est donc absolument impératif que vous preniez conscience que les races interstellaires ne sont ni plus ni moins que des personnes qui vivent sur d'autres planètes et qui sont confrontées, comme sur Terre, à leurs difficultés et à leurs souffrances, à leurs joies et à leurs peines. Rendez-leur ce privilège.